côté. Bon, on est toujours dans les trois musiques, mais on va commencer après la note d'Aleph, on va passer dans autre chose, dans musique maman, on y va parler. Mais avant, pour cette notion, si vous voulez, d'au-dessus du temps, c'est la réparation du pouvoir d'Hachem, parce que il y a un plan dans le monde, d'accord ? Il y a un plan. Hachem, il a créé le monde avec un plan. Il a créé le monde pour donner la possibilité aux gens de comprendre l'infini. C'est ça le but de la création du monde. Hachem, il a créé un individu fini, que cet individu fini, il va être en dépassement permanent. Ce dépassement permanent, il va l'amener dans le monde futur à pouvoir vivre proche de l'infini. Maintenant, plus il sera dépassé dans ce monde, et plus dans le monde futur, il pourra être proche d'Hachem. Ça, c'est le but de la création, Pachout, c'est le plan simple de la création. Hachem, il a créé, Hachem, il voulait donner. Maintenant, pour donner, il ne peut pas donner à lui-même. Lui, c'est l'infini. D'accord ? Il ne peut pas se donner à lui-même. Donc, il a créé un monde avec des gens qui sont limités. Ces gens limités, il va leur donner une méthode qui est la Torah, pour essayer de dépasser au maximum les limites dans tous les domaines. Plus il aura dépassé ses limites, plus quand il va remonter et se réinclure dans l'infini, il va arriver à une compréhension de l'infini qui est plus grande. Voilà le but de la création. On parle de l'âme abad. Ouais. Il arrivera à toucher ou à s'approcher de l'infini par rapport aux efforts qu'il aura consentis. Voilà, dans ce monde. Plus il sera dépassé dans le fini, plus il va arriver à une compréhension de l'infini. Donc dans ce monde, il va y avoir une lutte entre le fini et l'infini. D'accord ? C'est-à-dire le fini, c'est la matière, c'est la consommation, les tahavot, la nourriture, l'argent, les femmes, le kavot, tout ce qui peut se prendre dans ce monde, c'est-à-dire prendre, profiter de ce monde. Ça, c'est les éléments qui sont donnés a priori. Et Amalek qui travaille avec ça, puisque la Torah elle dit Amalek, si Hachem il a vu Adam ra amineorav, c'est-à-dire que Hachem il a vu que l'homme il est mauvais depuis qu'il naît, c'est-à-dire il est mauvais, c'est le rejeté là-bas de Amalek. Ça veut dire que l'homme, si on le laisse, il est attiré par le mal, il va être comme un animal, il va faire que consommer, etc. Donc maintenant il y a un point qui relie le fini et l'infini. Ce point-là, ça s'appelle des Asagot et le Hukut, ça s'appelle Malchut de Gdusha. Malchut de Gdusha, c'est un système dans le fini qui permet de se connecter à l'infini. C'est ça Malchut de Gdusha. C'est-à-dire, quand Hachem vous dit, mais les tfilines, c'est de la matière. D'accord, c'est fait avec de la peau d'animal, c'est de l'écriture, mais c'est de la matière, des lanières, etc. C'est que de la matière. Cette matière-là, elle est conçue pour vous connecter sur l'infini. Alors toute la Torah, elle est comme ça. La kashrut, les tfilis, le talit, le shabbat, toutes les mitzvot, ce sont des modes dans le fini qui permettent la connexion à l'infini. Donc cette malchut de Gdusha, ce qui s'appelle le pouvoir de la Gdusha, ce qui s'appelle la shrina, ce point-là, il est en mouvement entre le fini et l'infini, tout le temps. Parce que si vous dites que c'est de l'infini, alors il n'y a que des gens qui seront déjà dans le domaine de l'infini qui pourront avoir accès. Si vous dites que c'est dans le fini complètement, alors ça ne va pas nous aider à aller dans l'infini. Donc les mitzvot, elles sont entre les deux, entre le fini et l'infini. C'est pour ça qu'une fois que quelqu'un est niftar, il n'est pas tour de mitzvot, il n'y a plus de mitzvot à faire. Parce que les mitzvot, elles sont par rapport à ce monde, ce qui va lui permettre de se connecter à l'infini. Alors maintenant, entre le fini et l'infini, on rentre dans une notion de temps. Il y a le temps et il y a au-dessus du temps. Toutes les mitzvot, elles sont dans le temps. Dans l'espace, il y a des notions de volume, comme on l'a vu dans la Torah. Shiurim, de Advan, de Oraita, il y a toute la Torah, elle, c'est des shiurim. Même le limoud lui-même, quand on étudie, ça s'appelle un shiur. Quand on donne un shiur, ça veut dire qu'on donne des mesures aux gens. On leur donne des mesures de manière à ce que chacun puisse comprendre l'infini à son niveau. Donc la Torah, elle est faite de gestion de temps, d'espace, de volume, de poids, etc. Ça, c'est dans le fini. Elle s'exprime dans le fini. Mais son but, c'est de nous attacher à l'infini.
ces moyens-là, ils sont pour nous attacher à l'infini. Donc maintenant, quand vous vivez une situation qui s'appelle situation plonée, elle a un nom, situation, une telle situation. Cette situation-là, elle est comme toutes les mitzvot de la Torah. C'est-à-dire, elle a un côté fini, et c'est un moyen de se connecter à l'infini. Toutes les situations, n'importe quelle situation que vous viviez, tout ce qui fait gérer votre vie, c'est pour vous amener à la connexion de l'infini. La même chose que vous mettez les tefilines, mais les tefilines, c'est quelque chose que vous avez accepté, qui ne vous concerne pas trop, mais vous l'avez accepté, vous mettez votre tefiline et vous êtes ma'amine que ça vous connecte à l'infini. Maintenant, chaque situation que vous avez vécue dans ce monde depuis votre naissance, ce sont tous des situations comme les tefilines ou la kashrut ou Tarat HaMishpacha ou Shabbat. C'est-à-dire chaque situation, c'est une situation finie qui avait des moyens de se connecter à l'infini. Dans cette situation elle-même, vous prenez votre voiture, vous prenez votre scooter, vous allez au travail, vous arrivez au travail, etc. Cette situation-là, apparemment, elle n'est pas révélatrice de quelque chose d'infini. Mais cette situation, elle est que de l'infini. Parce qu'Hachem, il ne fait aucun mouvement dans le monde qui ne serve pas à la connexion de l'infini. Ça, c'est un klal gadol que vous devez avoir tout le temps présent dans le cœur et dans l'esprit. Il n'y a aucune situation qui ne soit pas une connexion à l'infini, un appel de l'infini, des paroles de l'infini. Tout vient d'Hachem. Ça veut dire tout vient d'Hachem. Ça veut dire que chaque chose que je vis, il y a un appel d'Hachem. Maintenant, comment arriver à se connecter à l'appel d'Hachem dans une situation qui a l'air apparemment complètement banale? Il faut que je sorte du temps, de la notion de temps. La notion de temps, c'est la chose la plus difficile à gérer. Le temps, c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer. Parce que si vous rentrez dans le temps, vous vous faites attraper par la consommation. Et si vous ne rentrez pas dans le temps, vous ne pouvez pas vous connecter à l'infini. On est obligé de passer par le temps. Mais quand on rentre dans le temps, on est en danger. Parce que quand on rentre dans le temps, on peut être pris par les intempéries, c'est-à-dire les mouvements du temps. C'est-à-dire le temps vient, va, fait ça, tac, tac, truc, ça marche pas, il faut réparer, truc, une heure qui est partie, deux heures, trois heures, quatre heures. Et voilà, on est dans des choses et ça tourne, etc. On n'arrive pas à gérer ce temps. Alors maintenant, dans chaque situation de temps, il y a un point qui est au-dessus du temps. Dans chaque situation de temps, il y a un point qui est au-dessus du temps. C'est ce point-là qui va réparer la situation. Vous avez une année, cette année, elle a un point qui est au-dessus du temps et qui la répare entièrement, c'est Yom Kippour. Yom Kippour, ça répare toute l'année. Comme je vous ai dit, ça répare pas toute l'année. En rentrant dans les détails du temps de l'année. Yom Kippour, il ne rentre pas dans le détail de tous les jours de ce que j'ai fait dans mon année et qui va réparer chaque fois que j'ai fait un lachon hara ou que j'ai fait quelque chose de pas bien, etc. Le Yom Kippour, il ne va pas aller rentrer dans le détail. Ce n'est pas quelque chose qui va agir de haut vers le bas, c'est-à-dire en descendant dans la situation et en réparant chaque chose. Le Yom Kippour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aspirer. Il va aspirer l'année, il va la mettre dans un point. Ce point-là, c'est le point dans lequel il rentre le Kohen, dans le Kodesh HaKodashim, le Kohen Gadol. Il rentre le Yom Kippour dans le Kodesh HaKodashim. Quand il rentre dans ce point-là, du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, le jour de Yom Kippour, il aspire toute l'année. Il la rentre dans ce point-là, qui dure quelques minutes. Ce point-là, ça y est, il a réparé toute l'année. On a pris toute l'année, on l'a inclus dans un jour. Que ce jour-là, c'est le Shoresh des Shabbatot. Pardon. Merci. Oui, Shabbat Shabbaton. C'est-à-dire que le Yom Kippour, c'est le Shabbat des Shabbatot. D'accord? Ça veut dire que déjà le Shabbat, lui, il inclut 7 jours. Il inclut 6 jours de la semaine déjà. Et lui-même, c'est-à-dire le Shabbat, il couronne toute la semaine.
il nous fait sortir des jours de la semaine. C'est pour ça qu'on a, si vous voulez, l'image du Shabbat, c'est un cercle avec un point central. Et il y a comme six tranches de gâteau, si vous voulez, c'est les six jours de la semaine. Elles vont toutes vers le Shabbat. Le Shabbat, ça centralise la semaine. Dans le poids du Shabbat, vous avez tout. Dans le point central du Shabbat, vous avez tout. C'est comme ils appellent dans les trucs les électrons et les choses qui tournent autour, etc. Il y a un point central. Ce point central, c'est lui, la vitalité de tout. C'est lui qui inclut tout. Maintenant, chaque chose que vous vivez dans ce monde, il y a un point qui est le point de l'infini de cette situation-là. Maintenant, des fois, vous le voyez, c'est évident. C'est-à-dire, vous allez quelque part. Vous ne vous doutez pas, vous allez faire une course et vous rencontrez quelqu'un que vous aviez besoin de joindre et que vous avez essayé de joindre, vous n'êtes pas arrivé à le joindre. Et puis tant vous allez à l'épicerie où vous le rencontrez, vous avez gagné du temps parce que vous aviez quelque chose, etc. Vous voyez qu'il y a une hashgacha dans cette situation. Et des fois, vous ne voyez rien du tout. Apparemment, vous ne voyez rien, vous faites quelque chose de banal. Il n'y a aucune situation qui est banale. Toute situation qu'on vit, elle n'est pas banale. C'est-à-dire que toute situation, il y a un point qui est au-dessus du temps. Maintenant, comment faire pour trouver ce point qui est au-dessus du temps? Alors, Rabbi Nathan, il nous a donné plusieurs etzot. C'est-à-dire, d'abord, suivre les etzot du tzaddik, c'est-à-dire que et mekayem, ce que Rabbeinu donne, beikar, de faire itbodedout chaque jour, parce que là, itbodedout, c'est centraliser, si vous voulez, toute votre journée dans une heure, et que cette heure-là, elle est comme Yom Kippour, elle va absorber votre journée entièrement. Quoi qu'il y ait eu dans la journée, ce Yom Kippour là, il a été mechaper. Avant ça n'existait pas, c'est des gens qui restaient avec des averot à l'époque du Beth Amikdash. Puisqu'il y avait le Korban Atamid, il y avait deux fois Korban Atamid. Le Korban Atamid du matin, il pardonnait les averot de la nuit. Et le Korban Atamid qui avait là en fin de journée, il faisait expier les fautes de la journée. Donc c'est écrit que jamais personne ne dormait avec des averotes. Toutes les averotes, elles étaient réparées comme Yom Kippour tous les jours. C'était automatique. Mais Rabbeinu dit que le poids des averotes, c'est terrible. Qu'est-ce que c'est le poids des averotes? C'est qu'on s'encrasse. C'est-à-dire on s'engloutit dans la matière. C'est ça le problème des averotes. C'est qu'on reste avec des mauvaises expériences. Alors, on reste avec des résultats négatifs. Et ces résultats négatifs, ils s'accumulent, ils nous alourdissent énormément jusqu'à nous amener, Chas V'Shalom, à nous désespérer et à choisir des voies qui sont complètement nulles parce qu'on a vu qu'on a, d'après nous, on a échoué. Donc Rabbeinu, il amène une Eitsa Klalit pour éviter ce problème-là. Un conseil général, c'est de faire Itbodedout chaque jour. Quand vous faites Itbodedout chaque jour, cette journée-là, elle est réparée. On ne parle pas de ce qui a été fait dans la journée, ni comme mitzvot, ni comme averot, parce que Rabbeinu dit de toute façon, même les mitzvot que vous faites dans la semaine, elles ont besoin de tikkun, parce que c'est des mitzvot qui sont faites avec un angle, une approche matérielle. C'est une approche qui est gérée dans la matière. Même quand vous allez à la prière, vous faites une mitzvah, c'est toujours dans la matière. Et qui dit dans la matière, il y a une emprise toujours de Esav. Même dans le Beth Amikdash, il y a une emprise de Esav. Quand il y avait le Beth Amikdash, il y avait une emprise de Esav. C'est pour ça que c'est écrit dans les Sfarim qu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, on peut arriver à des choses plus grandes que quand il y avait le Beth Amikdash. Parce que quand il y avait le Beth Amikdash, il y avait une apparence, une apparence, si vous voulez, qui était palpable. Cette apparence palpable, elle peut induire en erreur la personne. Quand vous rentrez dans un endroit comme le Beth Amikdash, vous voyez une splendeur de choses, vous voyez des Kohanim, des Lévi'im, de la musique, des Korbanot, des choses, etc. Il y a un aspect esthétique, si vous voulez, que cet aspect esthétique, il peut faire perdre la personne dans des illusions, que ce n'est pas ça le Tachlit. Tandis qu'aujourd'hui, quand on n'a pas le Beth Amikdash, qu'est-ce qui nous reste? Neshalma Parim Sfatenu. C'est-à-dire qu'au lieu des vaches, on a la bouche. On a la parole. C'est-à-dire avec notre parole, on fait tout. Et là, c'est beaucoup plus. Ça, on peut arriver à des choses qui sont beaucoup plus élevées. Parce que plus on s'éloigne de la matière, et plus on peut arriver à des choses qui sont beaucoup plus élevées. Donc maintenant, la Eitsa Klalit que Rabbeinu nous donne, c'est de Bodedout, c'est-à-dire de parler avec Hachem tous les jours, pour justement aller dans chaque jour dans ce point-là, qui est le point vital de la journée. Alors maintenant, tout va rentrer là-dedans. Est-ce que c'est parce que quel moment Yom Kippour a été. Non, c'est Yom Kippour, c'est Minat Torah, c'est avec Matan Torah. Matan Torah, oui. Par contre, Itbodedout, ça ne va pas être le Beth Amikdash, parce que c'est
s'appelle Emaasé, quand on fait des... Il te voit des doutes, c'est... Des caparoches. Enfin, mais quand on fait des corbanes. Même quand tu les dis, c'est l'Emaasé. Non, maintenant, après le bétamisage, on dit que du temps du bétamisage, on ne disait pas. Ouais. Parce que c'était comme il disait, c'est assez, l'autre assez. Oui. D'accord. Alors, les corbanes aussi, c'est assez. Donc ça allait que avec la... Mais maintenant qu'on ouvre la bouche, maintenant qu'on ouvre pour parler, la... on prie, alors maintenant ça... C'est considéré comme un acte, ouais. Maintenant, oui, c'est considéré comme un acte. La parole, elle est considérée comme un acte. Bien sûr. Ça délimite. Parce que le Beth Amidash, ça limitait. Aujourd'hui, on est délimité. Oui, complètement. Tu as des doutes dans l'échange, chez toi, à la maison. Tu as la Wi-Fi partout. Ouais, il n'y a plus besoin de câbles. Ouais, là où tu vas, tu connectes. Il n'y a plus de limite. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, aujourd'hui, avec la parole, on peut arriver à quelque chose de beaucoup plus grand. On a une communication qui est beaucoup plus grande. Maintenant, si vous voulez, la recherche, c'est de savoir, dans ce que je suis en train de vivre, où il est le point avec lequel je peux réinclure cette situation dans l'infini. Maintenant, il n'y a pas que dans le négatif, le positif aussi, c'est pareil. C'est-à-dire quand quelqu'un reçoit une bracha, voilà, il rentre chez lui, il a reçu un chèque de 500 000 euros, on lui dit voilà, vous avez gagné, etc. On vous a choisi, vous avez 500 000 euros. Maintenant, quand il reçoit ce chèque-là, il doit se dire pourquoi Hachem, qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi avec ça? C'est, je suis éprouvé dans quoi? C'est-à-dire qu'est-ce que Hachem il veut de moi? Voilà la Nekuda là-dedans. Que je peux me rattacher à l'infini, parce que je peux me perdre avec ça. Ça peut être une épreuve pour me perdre. Je peux me perdre avec ça complètement. Moi, je ne veux pas me perdre dans la matière. Moi, je veux retourner vers l'infini, que cette situation, elle me ramène vers l'infini. Alors que ça soit une bracha, ou que ça soit quelque chose de moins agréable, c'est toujours, il y a un point dans la situation qui est le point de départ de cette situation-là, qui s'appelle le Yom Kippour de cette situation. Ou que s'appelle le Hidboledout, ou que s'appelle le Shabbat, ou que s'appelle le Tzadik de cette situation. C'est comme ça que ce qu'on a vu, que quand c'est écrit des Amer Kulam Tzadikim, pourquoi on dit que l'âme Israël, c'est tous des Tzadikim? Pourtant, on voit qu'il y a des Juifs qui font des Averot, qui font des bêtises, qui ont fait des grandes Averot. Comment on peut dire que tout l'âme Israël, c'est des Tzadikim? Parce que du moment où un Juif, il a fait la Brit Mila, Cette action de la Brit Mila, c'est une connexion du Yesod, qui est la dernière Sphira, avec Malchut. C'est-à-dire, c'est la connexion de Yosef et David. C'est la connexion de Yesod et Malchut. Maintenant, Yesod, il y a toutes les Midot, toutes les autres Sphirot, elles descendent vers Yesod. Yesod, c'est le, si vous voulez, c'est le point de Yesod, le point du Brit, même dans le corps, c'est le point de communication entre toute la partie élevée haut du corps et la partie basse. Après, on va passer dans les pieds déjà. C'est-à-dire, on va passer dans tout ce qui est matériel, tout ce qui est dans ce monde. Mais les sphirotes du haut, elles arrivent tous dans Yesod. Elles arrivent dans Yosef. Une fois qu'elles arrivent dans Yosef, elles sont connectées avec Malchut, avec David, avec Mashiach. Donc, n'importe quel juif, du moment où il a le Brit Mila, il est connecté avec Mashiach. Quoi qu'il fasse dans sa vie, ça n'a pas d'importance. Il y a un point de connexion qui est intouchable. Quelqu'un, il a fait la Brit Mila, c'est fini. Il est Nikhlal dans l'alliance de Avraham Avinu. C'est-à-dire ça, c'est de l'absolu. C'est de la connexion à l'infini qui est garantie. Que peu importe ce qu'il fasse, qu'il soit Shomer Shabbat, pas Shomer Shabbat, qu'il mange kasher, qu'il ne mange pas kasher, qu'il fasse ce qu'il veut faire dans sa vie, qu'il se perde comme il peut se perdre, il y a un point qui fera que jamais il pourra se perdre complètement, c'est la Brit Mila. Parce que le fait qu'il a fait la Brit Mila, il est connecté. C'est un pacte qu'il y a entre Hachem et Avraham Avinu et toute la descendance d'Avraham, c'est-à-dire tout le Ham Israël. Du moment où on a fait la Brit Mila, c'est fini. On devient intouchable. C'est-à-dire que la matière, elle ne nous arrachera jamais complètement. Parce qu'il y a un point de retour. On dit que Avraham Avinu, il est à la porte du Gehinam, de l'enfer. Tout celui qui a la Brit Mila, il ne le laisse pas rentrer. Il ne peut pas rentrer en enfer. Un juif, il a la Brit Mila, il ne rentre pas. Il dit quoi? Il va rentrer en enfer. C'est mon contrat à moi. Il a mon contrat à moi. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi? On a signé un contrat, oui.
Hachem, on a signé un contrat. J'ai passé ce que j'ai passé, j'ai donné ce que j'ai donné. Pourquoi ? Tu m'as promis que ma descendance, elle serait alliée à toi pour l'éternité. Ok. Ce qu'il a fait, ce n'est pas important. Il a fait la Brit Mila. Voilà. Il est rentré dans l'alliance. C'est pour ça qu'ici, il parle, Rabbi Nathan, de cette notion-là, de se mettre dans l'alliance, c'est-à-dire du tzaddik, de se cacher sous les ailes du tzaddik, c'est-à-dire de trouver des points qui me rallient. C'est ça qu'il faut chercher dans la vie. C'est les points de ralliement, c'est ça qui sont importants. Les points de ralliement, ils sont beaucoup plus importants que le travail individuel. Parce que le travail individuel, l'individu peut se perdre complètement dans un travail individuel. Il peut faire beaucoup de choses. Quelqu'un il peut dire, étudier la Torah, faire des mitzvot, faire beaucoup de choses, et il peut être complètement à côté. Mais quand quelqu'un il travaille sur le ralliement, c'est-à-dire quand il cherche des mitzvot qui sont des mitzvot de ralliement, ces mitzvot de ralliement, elles le protègent. Parce qu'il rentre dans un klal de l'alliance. Il est dans une alliance. Ce n'est pas lui maintenant. Lui, il n'est plus. Lui, il n'est plus. C'est écrit, voilà. El Kabir Lohim As, c'est quelqu'un qui fait cette fila Betzibour, elle est acceptée cette fila. On ne dit pas comment il a prié. Il a prié comme il a prié. Cette fila, elle est acceptée. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie d'un Tzibour. C'est pas lui seul. Donc il y a une force, il y a un contrat qui est fort. Il y a un minyan. Ce minyan-là, il fait descendre la Shrina. On fait Barichon, on fait Kaddish. Ça y est, la personne, elle est dans un klal. C'est plus lui maintenant. On dit là-bas, il y a un minyan. On ne dit pas là-bas, il n'y a pas monsieur, il y a pas monsieur un tel. On dit, il y a un minyan là-bas. Va là-bas, ils font minyan. Qui est-ce qui fait minyan ? Il y a des juifs, ils font minyan, c'est tout. C'est-à-dire, on est nikhlal dans quelque chose. Cette notion-là, il a rapport de Rabbi Nathan, c'est-à-dire que autant il y a la notion dans le tzaddik des etzot, c'est-à-dire qu'il rapporte ici qu'on a vu, Rabbi Nathan, il dit, les etzot du tzaddik et aussi le nyan de liyot tachat kamfehem des tzaddikim. C'est-à-dire de se mettre sous les ailes des tzaddikim. C'est-à-dire trouver des points d'attache, de ralliement. C'est-à-dire être toujours relié à quelque chose qui est plus grand que moi. Et ça m'assure une protection. C'est-à-dire que je fais partie de telle chose. Comment on dit quelqu'un, on n'appelle pas par son nom, on appelle, il fait partie de quelque chose, de plus grand. On lui donne, voilà, c'est ton nom, ça sera plus Yaakov, ça sera Israël. Ton nom, ça sera plus Shimon, ça sera Israël. Ton nom, ça sera plus Pinchas, ça sera Israël. Ça veut dire que ton nom, il est Israël. Tu es dans un nom qui s'appelle Israël. N'importe comment que tu t'appelles, ça ne change rien. Tu es Nikhlal, tu t'inclus dans quelque chose. Alors cette inclusion-là, elle permet de se sauver des intempéries. C'est-à-dire le temps, si vous voulez, il va faire bouger les individus. Et il y en a qui vont jamais bouger. Je vous avais raconté une dame qui était venue ici pour faire des faire-part pour sa fille. C'était une dame qui était à Paris pendant l'occupation. Elle a dit son père, pendant toute l'occupation, jamais il a raté une tefila b'minyan et jamais il a raté le mikvé un seul jour. Jamais. Tout le temps de l'occupation à Paris, ils ont vécu. Son père, il allait tous les jours à la choule, shachrit mincha arvit, et il allait tous les jours au mikvé. Jamais il a eu de problème. Et elle a raconté, elle, qu'une fois, elle a eu un problème, qu'elle a été arrêtée pour contrôle d'identité, etc. Et après, quand elle est rentrée à la maison, son père, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Alors elle a dit, j'ai porté elle avait porté Shabbat sa carte d'identité parce qu'elle avait peur d'être contrôlée par les Allemands. Alors parce que son père, il lui a pas dit, ah, ils t'ont arrêté. Tout de suite, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait ? Parce qu'il était sûr de lui. Il savait qu'il n'y avait aucun de ses enfants qu'il arriverait quoi que ce soit. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait ? Tout de suite, elle a dit, j'ai porté Shabbat. Il a dit, voilà, pourquoi ils t'ont arrêté ? Parce que tu as porté la carte d'identité Shabbat. Mais ils ont vécu comme s'ils étaient en dehors complètement de ce qui se passait. C'est comme si vous voyez un film, d'accord ? Et à un moment dans le film, ils vous font voir qu'ils sont en train de tourner le film à côté, vous voyez ? Alors vous voyez la scène. Alors la scène, elle est très impressionnante. Mais à côté, vous voyez des gens qui mangent des sandwichs, ils sont en train de boire un coup, arrangent plus par là, et les autres, ils font le geste, etc. Donc vous voyez que vous êtes en dehors de la situation. Vous voyez la situation, mais de l'extérieur. Maintenant, quelqu'un qui s'attache au point de l'infini, c'est comme ça qu'il vit les choses. Il ne vit pas comme le film. Il vit comme quelqu'un qui est en train de voir le tournage du film. Il n'est pas dedans. Il voit qu'on est en train de tourner un film. Il y a des acteurs, il y a des trucs, bon.
Mais c'est pas vrai. La matière, elle n'est pas vraie. On se trouve quelque part, il faut savoir que c'est pas vrai. Bien que c'est au point de vue émotionnel et tout, ça peut nous ébranler, ça peut nous faire très, ça peut nous toucher énormément, mais c'est pas vrai. C'est pas ça qui est vrai. Dans cette situation, il y a quelque chose qui est vrai, et ça, c'est un point qui est au-dessus de toute cette situation-là. C'est le point d'infini qui vient toucher la situation, et c'est ça qu'il faut chercher tout le temps. Maintenant, le point d'infini du monde, l'individu qui représente Isha Elohim, c'est le tzaddik. Moshe, c'est Isha Elohim. Le Baal Shem Tov, c'est Isha Elohim. Le Rabbi Shimon, le Harizal, Rabbi Nachman, ça s'appelle Isha Elohim. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui sont le point de l'infini de l'homme. C'est-à-dire qu'ils ont un côté qui est complètement dans l'Olam Haba et un côté qui est complètement dans l'Olam Hazé. Et eux, ils font passer. C'est pour ça que c'est écrit que Moshe Rabbeinu fait passer Mishmad les Ratzom. Si vous prenez Shmad, c'est Gematria 344. Hein, Ratzom, c'est 346. Et Moshe, c'est 345. Moshe, il fait passer de Shmad, c'est-à-dire de la destruction de l'hérésie, à Ratzom, qui est au vouloir, qui fait la Gematria 346. Lui, il se trouve au milieu. Parce que lui, il a un côté où il regarde le côté de ce monde-là, qui est le Shmad, et il a un côté où il est entièrement inclus dans Ratzom, qui est le Olam Haba. Donc lui, il est entre les deux sans arrêt et il fait passer les gens. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de se mettre « tachat kanfeem », dit Rabbi Nathan. « Les etzot, mais tachat kanfeem ». C'est-à-dire « tachat kanfeem », c'est plus grand que les etzot. Il faut savoir que le kibbutz des breslevers, tout ce qui concerne « itkapsut des breslevers », comme il a dit Rabbi Nathan, là où il y a un groupe de breslevers, c'est kedai de marcher d'un bout du monde à l'autre pour aller rentrer sa tête là-bas et écouter qu'est-ce qui est en train de se dire là-bas ou faire partie de cette chose-là. Parce que quand il y a une itkapsut de gens, des gens qui se réunissent sur le chemin du tzaddik, c'est quelque chose de très très élevé, qui est au-dessus de tout ce que quelqu'un peut faire individuellement. Parce qu'individuellement, on est tous dans nos limites de temps. Puisqu'on a dit qu'on a un tzimtzum, chacun il a une façon de voir les choses, et c'est ça qui fait qu'il s'appelle Yehuda Shimon Levi, ou c'est ça son nom, il s'appelle Shimon. S'il s'appelle Shimon, il ne peut pas s'appeler ni Avram ni Yitzhak. Il s'appelle Shimon. Shimon, c'est une façon de voir la vie. Et Shimon, un tel, le fils d'un tel, c'est encore une façon plus précise de voir la vie. Et il n'a que cette façon-là de voir la vie. Il ne peut pas changer. Parce que c'est ça, ça te fait ça. C'est-à-dire son tzimtzum à lui, sa contraction d'éléments pour vivre ce qu'il doit vivre dans la matière. Mais maintenant, d'un autre côté, il faut qu'il soit attaché à quelque chose qui inclut Israël. Quelque chose qui s'appelle Israël, qui est un travail. Même vous prenez dans les plus grandes usines du monde, il y a des réunions du personnel. Même s'il y a 25 000 personnes dans l'usine, on est obligé de que les gens ils se rencontrent et qu'ils se rencontrent pour arriver à savoir que même si lui, ce qu'il fait, c'est qu'il visse un boulon toute la journée, il faut qu'un jour, il sache qu'avant ce boulon, il y a quelque chose et après ce boulon, il y a autre chose encore. Et il faut qu'il voit qu'est-ce qui se passe. Parce que sinon la personne, elle a une vision de son travail qui est très très limitée. Elle a besoin de voir tout ce qu'on fait avec ce qu'il est en train de... Et ça, c'est que si on inclut ça dans l'Olam Israël. C'est-à-dire que je dois être individuel parce que je dois faire mon travail. Je m'appelle un tel, le fils d'un tel. Et c'est ça mon travail sur terre, mais il faut que je sois Nikhlal dans l'Olam Israël. Et pour être Nikhlal dans l'Olam Israël, en général, c'est-à-dire tout le Ham Israël, il faut être Nikhlal dans le Tzaddik, puisque lui, c'est lui qui a les 600 000 Neshamot du Ham Israël. Lui, il inclut les 600 000 Neshamot. En lui, il y a tout le Ham Israël. Dans le Tzaddik, il y a tout le Ham Israël, sans exception. Bon, ça, j'ai pris juste pour conclure un peu sur ce qu'il a demandé M. Cohen. La Med Alef, faisait Prinat Aïsour, le Hazik Mamon Chavero. Et c'est ça qui est interdit, qu'on n'a pas le droit de créer une perte ou des dégâts dans la propriété de son prochain. Vafilou Beria Asur Lazik. Même avec la vue, c'est interdit de faire du mal à quelqu'un. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'être mazik son prochain avec notre vue. Par exemple, d'aller voir ce qu'il fait, ou bien d'avoir un regard. Sur le commerce. Il parle par la fenêtre, non? Oui, il y a par exemple quelqu'un qui.
Il enlève la barrière qu'il y a dans le jardin. Après l'autre, il a envie de faire des grillades au truc son voisin. Lui, maintenant, il le voit. Et lui, ça le dérange. Alors qu'il n'a pas le droit. Ça s'appelle Ezekriya. Quelqu'un, il vient et il le voit. Et il dit, ça me dérange. Moi, je suis en train de manger avec mes enfants. Que tu me regardes, ça me dérange. Il faut qu'on fasse qu'il y ait une barrière. Je ne veux pas que tu me vois. Alors il y a Ezekriya comme ça, et puis Ezekriya avec l'Ainara, quand la personne elle a un mauvais œil sur la réussite de l'autre, ou sur la propriété de l'autre, ou sur la vie de l'autre, que la personne elle envie l'autre par sa vue, c'est-à-dire de l'autre. Et un homme, il est mu'ad le'olam, c'est-à-dire c'est écrit dans les halakhot de Nézikin, que maintenant un homme, il est mu'ad le'olam, c'est-à-dire qu'un homme, il est toujours, c'est quelqu'un qui fait toujours des dégâts. Un homme, il y a maintenant quand vous prenez vous prenez par exemple un taureau. Alors il y a un taureau qui peut être un short tam, c'est-à-dire un taureau qui est gentil, c'est-à-dire il a jamais fait de mal à personne, d'accord. Donc pour l'instant il est considéré comme quelqu'un un taureau qui est calme, qui fait pas de mal. Le jour où ce taureau-là il a fait du mal, il a cassé quelque chose, il a tué quelqu'un ou un truc comme ça, c'est fini, il est classé, il a un casier. Il a un casier. Voilà. Maintenant, c'est quelqu'un qu'on va soupçonner s'il y a un problème, parce qu'il a déjà un casier, puisque c'est un taureau qui a fait du mal. Mais l'homme, il est toujours soupçonné. Depuis sa naissance, l'homme, il est apte à faire du mal. Il peut toujours faire du mal. Que ça soit Béchogeg, ça des fois qu'il ne fait pas attention, Ben Er, Ben Yachen, qu'il soit réveillé ou qu'il dorme. Même quelqu'un qui dort, on doit se méfier de lui, même quand il dort. Est-ce que c'est par la pensée aussi? C'est-à-dire des fois la vue, elle est sans voir la chose, on peut la penser. La pensée? C'est qu'un tel, il a ça. Oui, Riyat Asichel, ça s'appelle, bien sûr, que par la pensée. C'est ça aussi. Mais quand tu dors, quand la personne elle dort, elle peut faire aussi de Nézek. Même quand elle dort, elle est tout le temps. Quelqu'un, il est mu'ad le'olam. C'est pour ça que quelqu'un, s'il est invité quelque part et en dormant, il a cassé le vase, par exemple, il s'est tourné, il a cassé le vase, il doit le payer. Il ne peut pas dire je dormais. Parce que s'il l'a cassé en dormant, ça veut dire quand il est réveillé, il était réveillé, soit il a regardé, soit il a dit ah, il est beau ce vase, c'est ce vase, il a fait une ara, ou n'importe quoi. En tout cas, il doit le payer, même s'il l'a cassé en dormant. Il est suspect quand même. C'est le 1. Hein? Il est tout le temps suspect. Oui, parce que nous, c'est la responsabilité totale. Nous, il n'y a pas de... Chez nous, ça n'existe pas les actes gratuits. Je vous ai dit plusieurs fois, on a vu ici dans la Torah Lamed, le Nyan de Malchut. Chez nous, le principe de la gratuité de l'acte, ça n'existe pas. Pour nous, il n'y a rien qui est rien. Ça n'existe pas rien. J'ai fait comme ça, pourquoi tu as fait ça? Non, rien comme ça. Ça n'existe pas chez nous, rien comme ça. Nous tous a une raison. Il n'y a pas, parce que si on commence avec ça, il n'y a pas de limite après. Parce que si vous commencez à dire ça, c'est rien, alors vous pouvez arriver que tout est rien après. Même dans le terme. Pardon? Mouad, la chose mouad, et mitachat azman, et choktam, il est tam. Oui. C'est-à-dire par rapport à l'homme, c'est pas par rapport, si on prend les deux, il est tamé joli, il est tamé mouad. C'est-à-dire qu'il doit faire un travail énorme pour sortir de mitachat azman. Comment c'est sûr qu'il va faire des équipes? L'homme, oui, l'homme, il est à l'oul de faire des bêtises, il est tout le temps. Sinon, il est bien sûr. Celui qui est il est en dessous du Zman, mais c'est surtout ce qui le rend dangereux, c'est qu'il a un moteur puissant. L'animal, il a un moteur qui est beaucoup moins puissant, c'est pour ça qu'il a moins de possibilités de détruire. Les animaux, ils n'ont pas inventé des bombes atomiques, ni des... D'un autre côté, ils n'ont pas trouvé des médicaments non plus. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas fait des armes de destruction massive. C'est parce qu'ils sont limités. Donc ils ont un côté où ils sont protégés par la limite. C'est-à-dire que des fois, la bêtise, ça protège l'homme. Mais la plupart... La bêtise... Oui, ça le protège. Parce que quelqu'un qui est bête, il ne va pas inventer la bombe atomique. Ça ne va pas faire destruction massive. Même à l'armée, ils ne peuvent pas rentrer à l'armée. Ils vont nous dire, on ne peut pas se prendre à l'armée. Ben, il prend les fusils, il commence à tirer en l'air. Enfin, il vaut mieux que tu restes chez toi, c'est mieux. Alors ça le protège, c'est-à-dire sa bêtise, ça lui, c'est une protection pour lui. Kikvar mevoar, chez Tsikhin Isaer, chez Yeshalom Gadol, Ben Adam le Khaverouk, Moshamou Abtenouzal.
parce qu'on a dit déjà qu'il faut faire attention qu'il y ait shalom entre les gens, comme ils ont dit les chachamim, ve'avta le'ra'acha kamocha klal gadol batorah. Comme on avait vu que Rabbi Akiva, Dafka, c'est lui qui avait dit que klal gadol batorah ve'avta le'ra'acha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ki klal kol haTorah ou bishvil izkot l'asagot elokut. Parce que toute la Torah, elle est faite pour être zoché de Asagot et Lokut. On a dit que toute la Torah, c'est pour arriver à prendre conscience de l'existence d'Hachem, à pouvoir toucher des points d'infini. La Da'at ou la Kir Otoidbar, de connaître et de savoir que Hachem existe. Chez Zeikar Tachlit à Torah. Ça, c'est le but de la Torah. Kumushkatu veyada'at ha'ayom, vashevotal levavecha, ki Hachem ou Elokim. Comme c'est écrit dans les Kavanot de Alenu Shabéar, Veyata ayom, et tu sauras aujourd'hui et tu ramèneras ça, cette connaissance vers ton cœur, que quoi? Que Hachem wa Elohim, que Yudke Vavke, c'est lui Elohim. C'est-à-dire Elohim, que Teva, Gematria Teva, c'est lui Hachem, Yudke Vavke, qui est le Shem caché, puisqu'on ne dit pas, on ne prononce pas Yudke Vavke, on ne peut pas le prononcer. Donc il n'est pas, c'est pas un Shem dans lequel il y a une révélation dans Malchut pour l'instant, puisque Bayom Aoui Hashem Echad Ushmo Echad, comme Mashiach viendra, alors Hashem Echad Ushmo Echad, mais maintenant Yudke Vavke, on ne peut pas le dire comme il s'écrit, mais Elohim, que c'est Gematria Teva, alors ça il faut que tu saches que c'est Hashem, comme on avait vu que Elohim, on dit Elohim Acherim, Elohim Acherim, pourquoi on dit que la Vodazara, on l'appelle Elohim Acherim? Pourquoi on lui donne le même nom, il est Abdil, que Hachem? Parce que c'est une déformation du nom d'Hachem dans la Teva. Quand le Ben Adam dans le Teva, dans la nature, il n'est pas arrivé à se connecter à Yudke Vavke, alors ça devient de la Vodazara. C'est de là où elle vient, la Vodazara, de l'interprétation du Teva. Mais les gens, je crois que le nom qu'on a choisi pour cacher le Yudke Vavke, c'est Admut. Il y a une raison connue. Caché. C'est-à-dire, l'habit du Yudke Vavke, c'est Adnout. Quand on veut dire Baruchata, on dit Baruchata, on ne dit pas Baruchata Hashem, Baruchata Elohim, ou Baruchata Kel. On dit Baruchata Adnout. Oui, quand on dit Hashem par le nom de Adnout. Ouais, pourquoi on l'a dit avec celui-là de nom et pas. Le Shem de Adnout, c'est par rapport à Malchut, c'est-à-dire que nous, notre Asaga de Yudke Vavke, c'est Adam, c'est de savoir que c'est notre maître. Si tu arrives à ça, après tu peux arriver à Yudke Vavke. Mais c'est avec ça que tu dois commencer, savoir que Hashem c'est ton maître, c'est-à-dire que c'est lui le maître du monde. Vasagot Elokim et Efcher Asim qui a l'aidé Tzimtzumim Rabim Meod. Maintenant, comment on va comprendre qu'il y a Hashem dans le monde? On a besoin de beaucoup de Tzimtzumim, on a besoin d'énormément de contractions, de plusieurs angles pour arriver à faire quelque chose, comme une ville ou comme la consommation. Ben Adam, comment il vit? Il a des vêtements, il a dû manger, il a des services, il utilise l'eau, l'électricité, il utilise tellement de choses que tout ça c'est fait par des gens différents. Il y a des spécialistes d'électricité, des spécialistes de l'eau, du vêtement, etc. Maintenant, le fait qu'il y a toutes ces sortes de gens, c'est ça qui permet à quelqu'un de pouvoir vivre dans un niveau de confort comme il vit. Parce que si quelqu'un il devait produire son eau, son électricité, ses vêtements, etc., ça serait, sa vie elle serait dans un niveau beaucoup plus bas. Maintenant, spirituellement, le principe c'est le même, c'est-à-dire que chacun il est limité, même si c'est quelqu'un, on parle maintenant d'honnête, qui cherche Hachem vraiment, etc., il va être limité à son concept à lui, sa spécificité à lui, sa spécialité à lui. Si c'est un spécialiste du vêtement, un spécialiste de l'électricité, ou c'est un boucher, ou c'est n'importe quoi, c'est sa spécialité à lui. C'est pas, lui il ne peut voir que cet angle-là. Maintenant il a besoin de beaucoup d'autres angles pour prendre conscience qu'il y a Hachem dans le monde. Alors l'autre pour lui, c'est l'infini. Pour chacun, l'autre, c'est l'infini. Accepter l'autre, c'est accepter qu'il y a Hachem dans le monde. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il a été Meramez, on avait vu que celui qui n'arrive pas à accepter l'autre, les Maasi, il ne peut pas croire que le Olam Haba, ça existe. Si quelqu'un ne peut pas accepter qu'il y a un autre juif ou une autre personne qui peut voir différemment le judaïsme, cet homme-là, il ne croit pas qu'il y a le Olam Haba. Parce que l'Olam Haba, c'est un autre monde. Comment il va être un autre individu? Il ne peut pas l'accepter, qu'il voit différemment. Comment il va accepter un monde qui est fait de toutes les différences de tous les gens qu'il y a sur Terre? Quand tu vois 600 000 âmes, tu vois un morcellement de l'infini en 600 000 morceaux. Si tu n'acceptes pas un morceau ou deux ou trois, comment tu vas accepter 600 000?
Donc l'Ema, c'est si tu n'arrives pas à accepter une vision différente, c'est que tu n'es pas ma'amin qui a l'olam haba. Tu ne peux pas, ça ne marche pas. C'est-à-dire tu ne peux pas dire que tu crois dans le monde futur si tu ne crois pas que quelqu'un d'autre il peut voir les choses différemment. Et que tu ne peux pas être copain avec lui, tu ne peux pas l'aimer, tu ne peux même pas l'aider. Ou je me souviens au début quand on a... Au début, quand j'ai commencé le Breslev, et tout, alors on venait ici, on amenait ici de la tzedaka, on donnait à Rav Lev Yitzhak ici de la tzedaka, et à côté de chez lui, il y avait une école de jeunes filles, un séminaire de jeunes filles qui n'était pas Breslev, un séminaire de jeunes filles ici de Yerushalayim qui existe toujours là. Dès qu'on lui amenait, tout de suite, on était encore là chez lui, il prenait une partie de la tzedaka, il tapait chez la dame là-bas qui avait le séminaire, et il lui donnait la tzedaka. Et nous, on ne comprenait pas, parce que nous, on était nouveaux, et tout, on dit, mais ce n'est pas Breslev, ce séminaire-là. C'est un séminaire de jeunes filles, c'est la Torah, mais ce n'est pas Breslev. Parce que nous, on croyait que la tzedaka, si ce n'est pas Breslev, alors il faut... Attends, c'est un séminaire de jeunes filles, ils apprennent la Torah. Qu'est-ce que tu veux, tu vois, que Breslev, c'est pour faire quoi? C'est pour faire la Torah, c'est pour faire quoi? Pour faire quoi? Quelqu'un, c'est un juif, il a besoin pour Shabbat, s'il n'est pas Breslev, tu ne veux pas lui donner de l'argent. C'est quoi ce truc-là? Alors ça vient de quand la personne elle s'est spécialisée dans un domaine, alors la déformation professionnelle, elle croit qu'il n'y a que ce que lui fait qui est bien. Et ce qu'ils font les autres, c'est secondaire, c'est pas le ICA. Ça, c'est une déformation qui vient de l'engagement. En général, quand les gens ils s'engagent, alors au début, quand il n'y a pas de maturité, alors il y a comme ça une vision très sectaire des choses, très fermée. Mais si quelqu'un il n'est pas ma'amin dans l'autre, il ne peut pas être ma'amin dans l'olam haba. Si quelqu'un ne croit pas qu'un autre juif il peut voir la vie différemment et être très aimé par Hachem autant que lui, parce que lui il croit qu'il est aimé par Hachem, alors l'autre aussi il est aimé par Hachem. Lui aussi c'est un enfant d'Hachem et Hachem il l'aime aussi. Avec sa façon de voir les choses. Et si tu n'es pas capable de gérer ces différences, tu ne peux pas être ma'amin qui a l'olam haba. L'olam haba, c'est toutes ces différences-là qui s'incluent dans l'Echad. Donc comment tu vas être ma'amin qui a l'olam haba? Hein, tu ne peux pas accepter. C'est ça, Véramir. Oui. Quand ils sont ensemble, tous. Ouais. Ils sont tous ensemble. Il dit qu'il y a des assagotes qu'on a besoin, on a besoin de toutes ces différences-là. On en a besoin de toutes ces différences, de tous ces angles de vue, de toutes ces facettes. On a besoin de tout ça pour comprendre qui est Hachem. Qui est fait ainsi que m'a dit Timtsum Rabbi Meod, chez la Zetrichim, chez Uchlelu Nefashot Arbe Beyachad. On a besoin que beaucoup d'âmes, elles s'incluent ensemble pour arriver à ça. Qui Kolechad Yeshlot Timtsum Vesechel Meyuchad, comme on voit les L. Parce que chacun, on avait expliqué avant, chacun, il a une spécialité. Et cette spécialité-là, elle fait que l'usine, elle tourne. C'est ça qui fait que l'usine, elle tourne. Pourquoi maintenant on émite Abel sur la mort d'un tzaddik ou d'un juif? Pourquoi on se met en... Pourquoi on prend la veloute sur la mort? Pourquoi quand un juif est niftar, on a les liens de la veloute? Pourquoi on se met en deuil? Parce qu'on s'endeuille sur le travail de cette personne-là. Qui est-ce qui va remplacer maintenant dans l'usine cette personne? Ce qu'il faisait, cette spécialité qu'il avait, qui est-ce qui va le faire? C'est ça l'endeuillement, le sens de l'endeuillement. C'est qu'on s'endeuille sur le manque de l'individu et on répare l'endeuillement. C'est pour ça qu'il y a 7 jours pour réparer dans les 7 midotes, dans les 7 sphirotes, pour réparer le manque de la personne dans les 7 sphirotes, pour lui permettre de rester, même s'il n'est pas là, et de partir, et on le laisse partir, et en même temps on le maintient ici. On fait les deux tikkunim en même temps. En même temps on le libère, qu'il puisse aller vers sa place dans l'infini, et en même temps on garde une partie de lui-même en bas, pour qu'il puisse continuer à être connecté avec nous. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas faire de mal dans l'argent de son chaver. C'est-à-dire de faire très très attention à l'argent de son chaver. Ben nous, il dit dans Sefer Amidot que celui qui est mafkir l'argent de son chaver, c'est-à-dire celui qui a pas de, qui se fait pas du souci pour l'argent de son prochain, il dit c'est quelqu'un qui peut faire toutes les avérotes qu'il y a dans la Torah. Parce que du moment où l'argent de son prochain, c'est rien pour lui, alors c'est quelqu'un qui peut faire n'importe quel avéra, c'est rien du tout non plus pour lui. Parce que ça, c'est un siman qu'il est complètement déconnecté. D'après ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, on comprend très bien pourquoi.
Je comprends très bien pourquoi. C'est-à-dire du moment où l'union du maman de son chaver, que l'union du maman de son chaver, c'est le malchut, c'est le chélek de malchut de son chaver, comme on a vu avant, que Amalek, ce qu'il cherche, c'est l'argent, c'est-à-dire que, parce qu'avec l'argent, il prend le pouvoir. Alors si maintenant, on fait du mal à l'argent de notre prochain, c'est-à-dire au pouvoir de notre prochain, c'est-à-dire on va agir contre le pouvoir de notre prochain, ça veut dire que le pouvoir d'Hachem en général, c'est quelque chose qui ne nous touche pas. On peut faire n'importe quoi. Puisque n'importe quelle avéra, c'est une atteinte au pouvoir d'Hachem. Il n'y a pas eu plus grande atteinte au pouvoir d'Hachem que de porter préjudice à l'argent d'un juif. Puisque l'argent d'un juif, c'est son pouvoir. Avec cet argent-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire Shabbat, il va acheter des tefillines, il va faire la bar mitzvah de son fils, il va faire ça. Donc c'est cet argent-là, c'est pour révéler Hachem dans le monde. Donc les masses, quand tu lui fais du mal à son argent, tu atteins son pouvoir, tu limites son pouvoir. Quand tu as limité son pouvoir, tu as limité le pouvoir d'Hachem. Et bien, toutes les avérotes, c'est ça, c'est le même principe. Toutes les avérotes, c'est limiter le pouvoir de manifestation d'Hachem dans le monde. Et c'est ce qui fait Amalek, c'est le travail d'Amalek. Amalek, il ne veut pas qu'Hachem se révèle dans le monde. Donc il attaque tous les points de révélation. Et lui, il garde dans l'argent. Parce que quand il a pris l'argent, il a pris le pouvoir. Alors maintenant, quand maintenant quelqu'un il a fait du mal à l'argent de son chaver, automatiquement il a créé un froid, il a créé une scission entre les deux. Maintenant il a enlevé du shalom, quand il a enlevé du shalom, il va créer des mouvements limités, c'est-à-dire que maintenant lui va se limiter par rapport à l'autre et l'autre il va se limiter par rapport à lui, ils ne pourront plus profiter l'un de l'autre des pouvoirs qu'ils avaient. C'est pour ça que même quand quelqu'un il dort ou quelqu'un il a fait beshogeg, il dit j'ai pas fait exprès, il doit aussi payer. Il est chayav. Qui a fait pichu ou yachen ou shogeg, venu chayav badava, a fait piken ou chayav bezeko. Maintenant, bien que quelqu'un il dormait ou quelqu'un il a pas fait exprès, c'est pas intentionnellement qu'il l'a fait, mais le mal qu'il a fait, il faut qu'il le répare. Même si quelqu'un il a fait du mal à l'autre, même beshogeg ou beones, c'est-à-dire que ce soit de façon non intentionnée ou bien que il savait pas du tout, c'est honest, c'est-à-dire qu'il était complètement, c'était contre son vouloir. Ça montre qu'il n'y a pas de shalom et de ahava, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour entre eux, behemet. S'il en arrivait à ça, même si c'est beshogeg, même si quelqu'un Shabbat, il a allumé la lumière, même s'il n'a pas fait exprès, mais ça montre qu'il n'est pas dans Shabbat. Quelqu'un qui est de Shabbat, jamais il va allumer la lumière Shabbat. Quelqu'un qui vit le Shabbat, jamais il va allumer la lumière, parce qu'il y a une telle sensation du Shabbat qu'il ne peut pas allumer la lumière. Même s'il oublie que c'est Shabbat dans sa tête, mais il vit avec le Shabbat. Maintenant, quelqu'un qui a fait du mal à l'argent de son chaver, même s'il n'a pas fait exprès, mais ça montre qu'au fond, ils ne sont pas connectés ensemble. Parce que s'ils étaient connectés ensemble, ça serait impossible qu'ils fassent du mal. Donc c'est déjà un siman qu'il y a un problème dans le shalom. Kim haya ahava v'ashalom b'nehem b'shlemut b'emet. Parce que si b'emet, l'amour, la paix, le shalom, il était entre eux parfait, vraiment, b'vadal lo yaba lazeh l'azik chavero, afilu b'shogeg. Jamais il aurait fait du mal à son chaver, même de façon non intentionnée, même de façon qui n'est pas fait exprès. Même quand quelqu'un ne fait pas exprès, au fond, il y a quelque chose qui est déconnecté de l'autre. C'est pour ça que c'est arrivé. Voilà, il rapporte. Maintenant, même quand quelqu'un fait une avéra par rapport à Hachem, même le shogeg a besoin de kapara. Même quelqu'un qui fait shogeg, il doit amener kapara. Parce que même quand quelqu'un il a fait une avéra beshogeg, ça veut dire qu'il n'est pas shalem avec Hachem. C'était shalem, il ne serait pas arrivé à une situation comme ça. Il n'est pas avec tout son cœur et toute son âme, il n'est pas avec Hachem. Parce que si quelqu'un il avait un amour pour Hachem qui était parfait, jamais il serait arrivé à faire une avéra, même de shogeg. La même chose quand quelqu'un il en arrive à faire du mal
a créé un préjudice à l'argent de son prochain, Béchogeg, de façon inintentionnée, non intentionnée, Shafalpi Shelonit Kaven Lazik, bien que maintenant il n'avait pas l'intention de lui faire du mal, Afalpilken Al Kolpani Moré Shenahavat Beshalom, Veashalom Beshlemut. Ça montre que l'amour et le shalom, il n'est pas parfait entre eux. Kim Haya Shalom Beshlemum, Bevadai Lo Hayaba Lidezek, Afilu Beshogeg ou Beones. Parce que s'il y avait un amour et une paix qui soient véritables, jamais il y aurait eu quelque chose de mal. Et si vous voyez bien, si vous regardez bien, quand des fois c'est arrivé que Chas v'Shalom, on a fait quelque chose de mal à quelqu'un, ou même si quelqu'un nous a invité ou quelque chose, par exemple, il nous sert à boire, on fait tomber le verre, il se casse. Vous allez voir que si vous cherchez bien, vous allez voir que ce n'est pas de casser le verre qui vous dérange. C'est que quand le verre il s'est cassé, ça a révélé qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas... Parce que si... Voilà, il y a quelque chose, il y a une gêne. Cette gêne, c'est une gêne d'amour et de shalom. Ce n'est pas la gêne du verre. Parce qu'un verre, ça ne coûte rien. Ce n'est pas ça le problème. On peut le rembourser. Ce n'est pas qu'on n'a pas fait exploser un immeuble. C'est un verre. C'est pas grave, c'est pas dur à rembourser, mais ça révèle qu'il y a un court-circuit quelque part, il y a quelque chose qui est pas parfait. C'est ça qui nous gêne. La gêne qui est créée, c'est celle-là. C'est pas le nézec tellement qu'on a fait. Mais un gosse qui fait tomber un verre, ça doit être quoi par rapport à la gêne occasionnée à son fils? Un enfant, il n'a pas de date, on ne peut pas le tenir rigueur de quoi que ce soit, on ne sait pas. Un adulte, c'est-à-dire quand il y a une panne quelque part, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a quelque chose où le courant ne passe pas bien. C'est ça qui a fait le nézé. Ça c'est par rapport à Hachem, quand quelqu'un fait des Averot, Beshogeg. Par rapport à Hachem. Ouais. Maintenant, par rapport au Haver, c'est qu'il n'est pas Beshalom avec lui. Beshlemut, hein, on parle d'un niveau de Shlemut. On peut parler de actes manqués. Parler de quoi? On peut parler du lésé. Lésé dans l'affaire. Non, on parle de celui qui a fait la mauvaise chose. Est-ce qu'on peut parler maintenant du lésé? De celui qui est lésé? Ouais. Par rapport à... J'ai le médicament. Ce lésé-là. Par anticipation, il va trouver ce médicament. Parce que on voit bien que l'infini, ça correspond. Ça marche bien au niveau du shalom. Que Bassoff, ça se traduit par quoi? Par un manque d'amour, un manque de respect de l'autre ou un manque de considération. Alors là c'est vraiment intéressant parce que le Plony, qui est un bon copain, il est trahi comme ça, il est lésé sur une confiance qui a peut-être été mal accordée, mais bon, ça, alors, il faut bien qu'à un moment il y ait une faute. Si on s'entoure sans arrêt de papier, on parle pas de Torah, on parle pas de Hardout. Donc le lésé, il a un boulot à faire. Il a un boulot à faire. C'est quoi son boulot? C'est le même que l'autre. Le shalom, ça marche dans les deux sens. Bon. Ben oui, personne. Le shalom, c'est pas tout seul. Il n'y a pas qu'un qui a la responsabilité du shalom. Les gens, ils disent, oui, moi, j'ai pas de problème avec lui. Quand il y a deux personnes qui ne se parlent pas, vous allez voir un, il dit, mais moi, j'ai aucun problème. Et l'autre aussi, il dit, j'ai aucun problème. Et pourquoi vous n'êtes pas Béchalom? Je ne sais pas. Comment ça veut dire, tu ne sais pas? Il y a un problème, tu t'assois, tu règles le problème, c'est tout. Le problème, c'est pas tout seul, on n'a pas de problème. C'est-à-dire le problème... Le lésé, il doit avoir une démarche. Le lésé... Même s'il y a de fortes chances pour que l'autre lui dise, ma pitom, l'argent, j'en regrette pas, parce que forcément, il va pas se mettre à table en disant, mais Rila, je sais pas ce qui m'est arrivé, il faut pas trop rêver. Quoi. Il y a l'orgueil du bus qui est escroqué, et que c'est clair qu'il va pas revenir en arrière. Donc, le Plony qui est lésé, il a cette soif de shalom pour justement faire le régner en haut, plus tard. Oui. Quelque chose qui pourrait s'appeler la shrina ou la sérénité, mais bon, celui-là il a tellement beaucoup plus de mérite que l'ordure qu'il a escroqué. Ça, je sais pas, c'est assez difficile de savoir les compteurs, les relevés de compteurs, vous savez, quand le DF il passe, vous savez pas la facture, vous croyez que c'est. Vous savez pas, relever les compteurs c'est pas notre travail, on sait pas. Nous on peut relever notre compteur, mais celui de l'autre c'est difficile. Il
parle en termes très clairs, ça ne prête pas à équivoque. Comment il parle là, des mais il dit les choses vraiment de façon très simple. Monsieur Cohen, les mots, ils ne veulent pas dire la même chose pour des gens. Les mots, ils n'ont pas les mêmes. Un enfant qui va dire un mot, c'est un enfant qui a dit un mot. Un adulte qui dit un mot, c'est autre chose. Et parmi les adultes, la plupart des adultes, c'est des enfants. C'est-à-dire, quand ils disent des choses, même les adultes qui font du commerce, vous avez des gens qui sont très riches, qui font du commerce, et vous voyez que toute leur façon de faire du commerce, c'est, ils jouent, c'est comme si c'était un jeu d'échecs ou de cartes ou n'importe quoi. Vous voyez que ce n'est pas fait avec de la maturité. Et ces gens-là, ils peuvent faire du mal à quelqu'un sans être conscients qu'ils sont en train de faire du mal. Prenez les frères de Yosef. Dans les frères de Yosef, c'est que Réhouven qui a été à qui on en a voulu vraiment. Pourquoi? Parce que Réhouven, il voulait le sauver. Les autres, ils ne voulaient pas le sauver, ils voulaient le tuer. Alors on leur a pas voulu vraiment, parce qu'ils étaient vraiment complètement à côté. Mais Réhouven, qui voulait le sauver, et il n'a pas sauvé, lui, on en a voulu, on en a tenu rigueur. Parce que lui, il savait un petit peu qu'est-ce que c'était Yosef. Il avait au moins des valeurs. Il dit, attends, mais rien que pour notre père, il ne faut pas faire quelque chose comme ça. Laisser notre père souffrir comme ça, mais c'est cruel. Comment on peut faire une chose comme ça? Alors lui, Réhouven, il avait ce da'at-là, c'est-à-dire ce tzimtzum, il avait cette compréhension-là. Alors lui, il a été considéré comme fautif. Et les autres, non, moins que lui. Parce qu'il ne savait pas. Donc, si vous voulez, dans ces situations, mais je vous l'ai dit déjà, Le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, il est qu'avant de commencer à faire du business avec quelqu'un, vous n'avez pas vu à qui vous aviez affaire. C'est là où vous avez un problème. Ce n'est pas après. Après, il peut arriver n'importe quoi. Mais quand vous devez faire une affaire avec quelqu'un, il faut vous renseigner sur lui plus que si vous allez vous marier avec une femme. Avant de commencer une affaire importante, je vous dis, ce n'est pas que vous allez acheter une paire de chaussures. Si vous allez faire une affaire importante, vous allez mettre beaucoup d'argent pour vous, ça s'appelle beaucoup d'argent, il faut que vous vérifiez votre associé ou la personne avec qui vous allez travailler plus que si vous allez vous marier avec quelqu'un. Parce que après, c'est des situations pour les ramener, c'est très difficile. Parce que vous rentrez dans une situation où vous allez détruire du shalom. Là, il y a un shalom entre les gens. C'est un shalom qui est, si vous voulez, c'est un shalom, comme on dit, un shalom de salon. C'est pas un vrai shalom, mais ça fait rien. Il vaut mieux du shalom de salon que la guerre des vous comprenez? C'est se trouver au tribunal en train de se traiter de tout et de dépenser des sommes énormes pour s'attaquer au tribunal. Donc il vaut mieux que je garde mon argent, que je garde mes projets, que je vais pas gagner tant que le truc, mais ma tête elle est tranquille. Quand je vois ce monsieur à la synagogue, je suis pas obligé de changer de côté ou truc. Et c'est pas, j'ai pas besoin de ça. Pour gagner de l'argent, je n'ai pas besoin de ça. Si Hachem veut me donner de l'argent, qu'il me le donne, Bishalom, Ve'ahava. Sinon, je n'en ai pas besoin. Alors, si vous n'avez pas, soit vous ne connaissez pas la personne avec qui vous êtes travaillé, alors il faut vous renseigner. Et si vous ne trouvez pas les renseignements, il faut chercher jusqu'à ce que vous ayez des gens qui le connaissent très bien et qui vous disent, écoute, cette personne-là, c'est quelqu'un de bien, etc. Mais tu sais, dans l'argent, des fois, il y a eu des problèmes avec lui. Ça me suffit, c'est tout. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Et maintenant, même s'il vient me proposer l'affaire la plus mirobolante de la terre, je ne fais pas. Parce que si maintenant ça va atterrir sur après une guerre, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a détruit, on n'a rien construit. Moi, je veux faire des affaires qui avec la hava et du shalom, qu'à chaque fois qu'on se voit, on est content de se voir parce qu'on a fait des bonnes affaires ensemble, et on a gagné, on a profité, etc. Ça, oui, ça c'est bien. Alors Rabbi Nathan, il nous met en garde sur ça. Il nous dit, avant, il faut vérifier. Avant. Si je n'ai pas vérifié avant, alors ça c'est... Si je n'ai pas demandé, les gens ils font des affaires avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Et on n'a pas le droit de faire des affaires avec des gens qu'on ne connaît pas. Il faut que quelqu'un se marie avec quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et regarde d'où il sort, d'où il est né, de quelle famille, etc. Il revient un petit peu. Pourquoi quelqu'un fait une affaire avec quelqu'un, il ne vérifie pas ça? Parce qu'il est aveuglé par le gain, il dit « Ouais, mais c'est une super affaire, un truc et tout. » Attends, avant de parler d'affaires, qui c'est cette personne-là? Vous verrez ici, dans le milieu religieux, c'est la première chose qu'on vérifie. Qui c'est cette personne? Il va vous demander d'où tu viens, etc. Comme ça, gentiment. Après, il va passer 20 coups de téléphone. Il va savoir même quand est-ce que vous changez de chaussettes. Et à ce moment-là, il s'engage ou il ne s'engage pas. Vous comprenez?
Mais si on ne se renseigne pas sur la personne, il ne faut pas faire des affaires. Si on n'est pas capable, on ne fait pas. Parce qu'après, les retours, c'est très très dur de revenir. On peut avoir de la chance que tout se passe bien. Mais quand, en général, quelqu'un qui n'est pas clair dans les affaires, c'est... Mais il n'est pas possible d'avoir une autre analyse que ça. Parce que là, bon... J'aurais bien voulu. J'aurais bien voulu, M. Cohen, vous donner autre chose. Il parle très fort avec des mots très simples, mais que, comme on a lu auparavant au niveau de la Nekouda pour arriver à l'infini, est-ce que, de façon arbitraire, celui-là, il va plus payer, ou il a peut-être plus de mérite, pour peut-être arriver à ce Nekouda où, moi, ça m'intéresse plus, ça. Parce que d'un côté, t'as un mec qui a été un peu léger dans le business et qui se retrouve tout frustré, tout volé, tout peiné. Bien entendu qu'il s'objette. Mais bon, pourquoi pas, comme on vient de parler de ça, du Nekouda de l'infini, j'aurais beaucoup plus apprécié qu'il y ait un boulot là-dessus où il y a quelque chose à gratter, quelque chose à gagner. Quoi. Ce qui a gagné, c'est que dans le shalom. C'est ça qui a gagné. Ce qui a gagné, c'est une épreuve de shalom. L'épreuve, c'est une épreuve de shalom. D'arriver à rester béchalom et béhava avec quelqu'un qui vous a créé un mézèque, que vous avez perdu de l'argent à cause de lui, c'est ça le travail. Et c'est pas facile. Pas facile. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous devez faire remonter la situation vers l'infini. Vous devez déresponsabiliser l'individu et le faire monter vers Hachem. Ça, c'est votre travail individuel si vous avez reçu un ézèque. De dire, voilà, c'est pas lui qui m'a volé, ou moi je lui devais de l'argent, je savais pas, dans une vie antérieure peut-être je lui devais de l'argent, ou il y a eu des fois quelque chose que j'ai fait, je sais pas ce que j'ai fait, mais lui, ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui m'aurait fait la même chose, ça change rien. Il a envoyé d'Hachem, moi je sais pas, je demande à Hachem, voilà, moi j'ai reçu cette claque-là, je sais pas pourquoi, mais je sais que c'est toi qui me l'envoies. Donc, j'accepte, c'est tout, j'accepte. Mais c'est difficile, c'est-à-dire qu'il faut vraiment séparer l'individu, il faut vraiment le scénario, il faut aller dans les coulisses pour voir comment on tourne le film. Parce que là, la scène, elle touche profondément la personne, parce que ça a fait baisser l'individu. Si c'est une somme importante, la personne a perdu son pouvoir. Quand des gens ils ont perdu des grosses sommes d'argent, ils ne peuvent plus payer leur téléphone, ils ne peuvent plus payer tout, c'est une baisse de pouvoir énorme chez l'individu. Et de déresponsabiliser complètement la personne, dire bon, c'est pas lui, les mains, c'est. Ça, c'est du travail de celui qui a reçu le Nézek. Maintenant, l'autre, il ne peut pas dire ça. L'autre, si c'est passé par ses mains, c'est qu'il a un problème. Si on l'a choisi à lui, c'est qu'il a un problème. C'est pas Stam. On aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Si on l'a choisi à lui, c'est qu'il a une responsabilité.